Hey, salut à tous, c'est Justine. Je suis la première à vous proposer sur mes réseaux sociaux des tutos training, des circuits HIIT, mais vous êtes souvent nombreux à nous poser la question de savoir si c'est réellement efficace de faire une séance aussi courte. Répondre peut-être à pas mal de vos interrogations et parfois aussi de vos craintes et vous dire ce qu'il est possible de faire réellement ou non. C'est parti! En sommaire, on va voir déjà dans un premier temps quels sont les différents types de contenus qu'on vous propose de manière générale sur les réseaux sociaux. Ensuite, pourquoi ça a tant de succès autant chez les youtubeurs que chez justement les followers, les personnes qui aiment ce type de séance courte. Et petit 3, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, pour vous recontextualiser la chose, je vais vous expliquer déjà les 4 catégories de programmes, d'entraînement, de séances qu'on vous propose sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est les vidéos YouTube. Petit format très exactement, c'est-à-dire comme les vidéos que j'ai moi-même fait sur ma chaîne avec Stacy et Tiffen par exemple, où je vous proposais des séances entre 4 et 6 minutes. Ces vidéos-là, elles correspondent à une vidéo en temps réel, mais seulement la démonstration finalement d'un tour, d'un circuit qui finalement fait plus de temps. Déjà pour que vous puissiez voir les exercices, pour que ça vous donne envie de le faire, et puis après vous pouvez adapter le temps exact de la séance en fonction de votre niveau. Et c'est à vous ensuite de faire la séance dans sa totalité. On fait le premier tour ensemble et après c'est à vous de le faire de manière autonome. Ensuite on va voir les tutos sur Instagram. Donc c'est un format qui est ultra court. Les tutos c'est fait pour rentrer dans le format Instagram et ça s'est vachement démocratisé les tutos depuis que surtout passer à une minute. Là, ça a pour but de vous proposer des séances, de vous montrer les mouvements, de vous faire vraiment une petite démo. Soit les explications sont marquées sur le tuto, directement dans la vidéo, soit vous pouvez les avoir dans le descriptif. Ça permet de créer un contenu beaucoup plus rapidement, de manière plus régulière. Ça vous permet d'avoir des exemples de séances, de mouvements et qui sont facilement trouvables puisqu'ils sont maintenant sur quasiment tous les comptes fitness. Ensuite, on revient sur YouTube avec des vidéos en temps réel, entre 10 et 30 minutes à peu près. Ça peut être soit des vidéos en live, comme je vous l'ai fait de manière plus régulière ces derniers mois. Ça peut être des contenus également qui sont filmés d'avance, je vous en ai fait aussi sur la chaîne, qui sont cette fois-ci toujours en temps réel mais qui ne sont pas diffusées en live. Elles sont enregistrées au préalable et elles sont postées sur YouTube. Étirement, yoga, stretching, fitness, en fait vous avez de tout. C'est un format qui permet aux gens de faire des séances en même temps que la personne qui présente la vidéo, de transpirer ensemble. Moi personnellement c'est ce que j'aime bien. Ça fait un peu penser, vous savez, aux DVD de fitness qui existaient au tout début quand ça a commencé il y a déjà des dizaines d'années, ou même à la chaîne, je sais plus exactement quelle chaîne, qui propose ça le matin très tôt, de faire les séances en direct à la télé. Et le dernier format que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est les Snapchat, les Insta Story. Vous savez, parfois on fait la séance, on est à notre salle et on vous partage en story justement le descriptif de la séance que vous pouvez screener, c'est-à-dire faire en capture d'écran. Là c'est un peu moins travaillé que sur les autres réseaux sociaux, mais ça permet de donner du contenu et que les gens puissent avoir des idées de séance. Alors pourquoi tant de succès finalement? Pourquoi ça fleurit comme des petits champignons sur les réseaux? Parce que les vidéos à 12, 5 minutes, hit 6, 7 minutes, dès qu'on passe en dessous de la barre psychologique des 10 minutes, les gens adorent. Alors peut-être pas toi qui regardes cette vidéo, que tu cherches des trainings plus longs, plus intenses, etc. Mais on va pas se mentir, dans la majorité des cas, les gens veulent faire des séances les plus courtes possibles pour essayer de faire un minimum de temps d'effort. On va bien plus se motiver pour 5 minutes d'abdos que si je te dis va faire un circuit de 15 minutes d'abdos. Beaucoup de personnes ont la flemme de faire du sport, ne veulent pas faire des heures d'entraînement et au-delà de 20 minutes, ça les fait chier. C'est pour ça que les vidéos abdos 10 minutes, tu te dis mais génial, je vais avoir les carrés que je rêve d'avoir en 4 minutes. Oui, il y a une petite part de rêve, même si techniquement, dans ces vidéos-là, notamment sur ma chaîne, je vous le dis, c'est un seul tour. Il va falloir en faire plusieurs. Mais il est vrai que c'est le titre qui est mis sur la vignette. Également pour le youtubeur, la youtubeuse, que ce soit mon cas ou ce que vous pouvez encore trouver sur les réseaux, ça permet de créer des formats courts. La vignette est accrocheuse volontairement, ça c'est un fait. Ça vous permet aussi de cliquer sur la vidéo et de découvrir un format court mais qui finalement va faire une séance un peu plus longue. Et nous, ça nous permet de créer un contenu qui est beaucoup plus rapidement monté et beaucoup plus rapidement présenté. Ça permet de créer parfois beaucoup plus de contenu. Attention, les vidéos de 10 minutes peuvent être des séances à part entière,
Dans le cas où par exemple c'est un circuit abdo, un circuit abdo de 10 minutes, sincèrement vous pouvez le faire, ça me choque pas. Et vous pouvez même l'inclure à la fin d'un training muscu par exemple. Alors comme je vous le disais, lorsque vous lancez une vidéo HIIT de 5 minutes, et ben tout simplement on va vous présenter le premier tour et dans la grande majorité des cas, la totalité de la séance ne fait pas réellement 5 minutes. Elle peut faire 15, 20, 25 minutes. Et ce qu'on va vous demander de répéter le nombre de tours. Faut dire que ce type de format plaît beaucoup parce qu'il y a aussi une grande majorité de personnes, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner. Donc de voir des formats entre 5 et 10, 15 minutes, et ben ça permet d'être sûr de pouvoir les placer dans sa journée. Et c'est pour ça que ça plaît à la majorité d'entre vous. J'ai une petite préférence forcément pour les vidéos en temps réel, hein, vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, je fais de plus en plus de live. Ça permet de lancer la vidéo, de se laisser guider, de le faire en même temps que la personne. Et je pense, en tout cas, moi personnellement, quand je fais ces vidéos en court format de présentation du premier tour, que je vous le mets avec 5 minutes d'effort, et surtout pour vous donner envie de vous lancer, de te bouger ton cucu du canapé, Jeannette. C'est est-ce que c'est vraiment efficace ces séances qui sont courtes? Parce qu'on a l'impression qu'on brasse de l'air. Est-ce qu'on ment? Est-ce que c'est vraiment efficace? Moi je suis sûre que si je fais pas 1h30 de sport, et ben ça va rien donner. De toute façon ces vidéos là c'est que du putaclic. Je vais être très honnête, pour ce qui est des vidéos 4, 5, 6, 8 minutes, hormis les séances de circuit abdos courts, effectivement ce sera trop peu pour être efficace. Une séance de HIIT de 10 minutes sera efficace, mais pas forcément si vous la faites toute seule. Toute seule en séance unique, ce sera un peu court. 10 à 15 minutes, c'est un bon format. En dessous de 10 minutes, ça va être un petit peu léger. Les séances de HIIT de moins de 10 minutes, vous pouvez cependant les incorporer très facilement, parce que c'est justement plus court en temps, à la fin d'une séance de muscu. Donc je vous l'accorde, ça peut prêter à confusion. C'est pour ça que personnellement, j'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne, mais c'est vrai que ça prête à confusion, donc j'ai préféré passer sur des formats en temps réel. Certes, entre 10 et 25 minutes, plutôt que les formats de un seul tour en temps réel, qui vous présentent ça comme un exercice qui va techniquement durer 5 minutes. Mais un HIIT de 10, 15, 20, 25, 30 minutes, il peut déjà être ultra efficace, bien sûr. Et c'est le but, réduire le temps d'effort, mais augmenter l'intensité. Il faut bien que vous vous disiez aussi que ces séances, elles sont ultra efficaces pour la perte de gras, pour les gens qui ont peu de temps de s'entraîner. Il est évident que quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, qui veut prendre du poids, et ben ce sera des séances qui seront très bien aussi, mais un peu moins adaptées à un objectif de prise de volume énorme. Vos séances ne seront jamais dans le vent si vous respectez ces quelques règles. Que tu donnes vraiment tout ce que tu as pendant tes 10, 15, 20, 25 minutes. Le temps d'effort est court, envoie la sauce. Ne me fais pas ta séance à moitié. Ne fais pas tes 10 minutes pépère et après tu me dis « Ah bah finalement c'était facile, bah je vais faire une autre séance trouvée sur internet. » Ne me fais pas 3, 4 hits. Même si tu t'éclates dans ton salon, tu t'enjailles et tout. Tu me fais une séance à fond et crois-moi, quel que soit ton niveau, en chier. Respectez les séances, augmentez le nombre de tours et surtout augmentez la difficulté si vous sentez que pour vous c'est trop facile. Il y en a, ils font trop les malins, mais ils se donnent à moitié pendant les séances de HIIT. Il faut aussi bien que tu détermines ton objectif. Ça, je vous l'avais mis dans la vidéo aussi plus récente qui est réussir ses objectifs à tous les coups. C'est hyper important de déterminer son objectif pour essayer de faire des séances qui vont nous permettre de l'atteindre. Et surtout, hormis le plaisir de faire la séance, n'hésite pas à refaire les séances régulièrement. Jamais la même toute la semaine. Hein. Temps de repos, du muscle, t'as compris. Par exemple, cette séance, la séance alter, tu peux me la faire une fois par semaine pendant 2 mois pour progresser. Parce que si tu fais un HIIT une seule fois par semaine de 10 minutes, bah c'est déjà toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que tu seras un petit peu limité. Donc vous l'avez compris, une séance courte, même de 10-12 minutes, est ultra efficace si vous la rendez ultra efficace. Rappelez-vous que faire 4 à 5 minutes de HIIT, effectivement, ce sera sûrement trop court et qu'il faudra bien entendu faire plusieurs tours pour faire une séance plus complète, un peu plus intense. Mais oui, pour les séances courtes, entre 10-15-20 minutes, allez-y les yeux fermés, ça marche, c'est des méthodes qui marchent. Et même si vous n'avez pas un objectif de perte de gras, ça va vous aider dans votre vitalité, dans votre énergie, dans votre explosivité, si vous faites d'autres sports à côté. Donc non, il n'y a pas que du mensonge et du putaclic sur YouTube si on essaye un minimum de comprendre à quel public c'est destiné, comment ça peut être efficace, pourquoi on le fait. Et en plus de ça, je complète de plus en plus en ce moment toute la partie training qui se trouve sur ma chaîne, juste là. Tu as des HIIT, de la muscu, haut du corps, bas du corps, avec matériel, sans matériel, pour tous les niveaux. N'hésite pas à t'abonner, ça fait maigrir. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où justement je partage énormément de tutos training. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Je vous kiffe.